Sexo Max. Hello tout le monde, salut, pénis. Les conseils sexuels de Calmos. Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. Avec Sexo Max. Hello tout le monde. Hello Franck, pénis. Ta sexo, on ne dérange pas? Non, non, je suis juste en train de faire, par exemple, une update de mon logiciel de problèmes sexuels, pénis. Ouais, bon, ça va prendre combien de temps? On a des conseils à donner, je te rappelle. Il y en a encore pour loin avec ta mise à jour. Hein. Attends, et... C'est bon, Franck. C'est à jour. Non. C'est à jour. Non. C'est à jour. Non. Est-ce que c'est à jour? Sexo Max! Sexo Max! Sexo Max! C'est à jour! Salut! Est-ce que c'est à jour? Est-ce que c'est à jour? C'est Sexo Max! Pénis! Pénis! Est-ce que c'est à jour? Le logiciel est-il à jour? C'est Sexo Max! Cher! Sexo Max! J'ai bien constaté ton conseil sexuel de la semaine dernière sur les Kunzi qui m'a beaucoup fasciné. Merci, c'est sympa. Mais étant moi-même une gonze de nature plutôt hétérosexe, je me demandais qu'est-ce que si tu pourrais aussi parler de la suce masculine afin de faire de moi une meilleure pipeuse. Que The Duffer signé Chef Arabien. Quoi? Cher Chef Arabien, malgré l'extrême simplicité d'une Dauf quand on la rapporte à l'extrême complexité du Mimi des Miss et des chimails, avec tous ses recoins et ses plis plus ou moins jouisseux, tu as vu juste tailler un plumeau, c'est malgré tout presque aussi compliqué que de languer une pelouse. Afin de vous expliquer un peu les rudiments de la sucette, je vous propose donc aujourd'hui un top 3 Sexomax de comment faire rutiler une kick avec pour seuls ingrédients votre système digestif et un peu de bave. Le top 3 Sexomax de comment faire rutiler une kick avec pour seuls ingrédients votre système digestif et un peu de bave. On y go avec le numéro 1. Contrairement à ce que, qu'est-ce qu'on disait la semaine dernière, comme quoi il fallait par exemple se la jouer Poetic Lover avec le poussier pour lui permettre de s'irriguer du vestibule à mouillon, avec un nœud, c'est tout le contraire. D'ailleurs, ceux-là-là ou celles-là-là qui se sont déjà retrouvés en compagnie privée d'un manche à burne savent que le bonshomme, je dirais de base, a vite tendance à apposer une main câline sur la tignasse de la personne non suçante pour lui signifier que ça commence à bien faire les petites papouilles dans le cou, mais que ce serait pour ainsi dire le moment d'aller lui souffler dans la tulipe. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve au fond souvent dans le monde de la flûte à queue. C'est vraiment cette notion d'urgence de se faire travailler le gendarme. Sans pour autant céder à la contrainte, hein, que ce n'est jamais très agréable, gardez tout de même en tête que de la tête de votre petit compagnon à paf dur, le sucement, c'est maintenant. Numéro 2. Un pompeur, Franck, c'est pas tant que c'est si incroyable. Niveau sensation, je dis, d'avoir son Louis-Claude dans un trou, pire béant qui en plus est muni de, par exemple, 32 chagnottes prêtes à vous sectionner à tout moment le fridolin. Le vrai plaisir-plaise, ça se joue plus au niveau de l'envie. Si vous voulez l'être sucé, il doit ressentir que vous avez monstre besoin de vous caler son pétard à fesses dans les gencives. Même si c'est pas vrai, sortez votre meilleur acting et remportez un Oscar du cul. Jetez-y des petits regards malicieux, émettez comme des petits sons de dégustation, de comme si vous étiez en train, par exemple, de manger un bon ramequin. Frottez-vous là contre la joue, contre le visage, un peu comme si vous, par exemple, téléphoniez. Salut, ça joue. Pensez toujours de temps à autre à faire comme une petite ventouse avec votre bouche sur les montgolfières. Et puis le tour est joué. Mettez un peu de soleil dans vos turlutes et je vous jure qu'on parlera de vous jusqu'à Saint-Gingolf. Numéro 3. Faut savoir, Franck, que les possesseurs de gens sont généralement fascinés par de qu'on avale leur sirop de rognon au moment où leur cisouille commence à fulminer. La raison avancée par les sgegologues, qui sont au fond les chercheurs en sgeg, ce serait qu'ils trouvent tellement d'aigle leur propre mitraille spermeuse qui développe, si vous voulez, une forme d'admiration pour les personnes qui osent s'envoyer un shot de cum droit dans leur larynx ou alors encore s'asperger leur petit faciès avec le produit de leur dur labeur sucesque. Je vais donc pas passer par 36 chemins, Franck.
Si vous souhaitez prodiguer une trompette à la neige d'autologie, va falloir m'écrémer cette biroute et aspirer les dernières gouttes de glucose jusqu'à ce que ça fasse ce petit bruit. Oh mon Dieu. Voilà, et bien avec tout ça, chef arabien ne devient pas une pipeuse, gain de luxe. Bah, je sais pas ce qu'il lui faut. Merci en tout cas, Sexomax, pour ses précieux conseils. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, alors j'ai pas parlé de là-bas, finalement, parce que partout on aime ça. 3. C'est vrai. Merci de respecter nos auditeurs, Sexomax. Moi j'aime pas trop, par exemple. Par exemple, les fils, j'aime pas. Ah non. Comme dans la fondue, hein, c'est. Tâche sultanat.